Oh, oh. Déjà, regardez mon placard. Non, mais il faut qu'on en parle. Ce placard. On va, non, on va pas en parler en fait. J'ai encore les traces de mon oreiller. Mais vous inquiétez pas, ça va changer de couleur. Sucre sur le nez. J'ai pas eu un bon service du tout. C'est vraiment, enfin franchement parfois je me demande comment c'est possible. Regardez là par exemple, vous m'entendez comme si j'étais juste à côté alors que je suis lourd. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. Je suis trop contente, je vous fais un petit weekly vlog cette semaine. Vous me l'avez beaucoup demandé, je me suis dit pourquoi pas, hein, ça peut être très très cool. Là, je vais juste vous amener dans ma semaine, vous montrer tout ce que je fais en règle générale pour YouTube. Je vous montre ma vie d'influenceuse. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé une intro. Donc en fait je l'ai filmé, j'ai pas mis la carte SD. C'est ce que je vous expliquais sur Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. J'ai pas mis de carte SD, donc j'ai filmé une intro d'une vidéo sans la carte SD. C'est la vidéo où je fait pendant un mois les 15 minutes d'abdos de Pamela Reif. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ratez pas la vidéo, activez les notifications. Et donc je fais cette vidéo à partir d'aujourd'hui, je fais 15 minutes d'abdos par jour pendant un mois et je vais vous faire un avant après, comment ça se passe, etc. Donc j'ai trop trop hâte de commencer. Mais du coup j'ai filmé ça ce matin sans carte SD, donc j'ai dû refilmer une deuxième fois. Un bon lundi matin, donc là il est 13h. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Je dois filmer ce vlog, je dois ranger complètement tout chez moi, j'ai un ami qui vient ce soir, un ami maquilleur, mon ancienne vie, qui vient me rendre de visite, ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu. Donc il vient à la maison, on va aller faire des petites courses ensemble, parce que aussi je prépare la vidéo de demain qui sera sortie à l'heure où vous regardez cette vidéo, et c'est la vidéo où je réponds à vos questions délicates et un petit peu taboues en cuisinant des petits cookies, normalement des cookies, hein, peut-être que ça a changé. Et j'ai reçu quelque chose, on va faire un petit unboxing, un nouveau micro. Alors bah d'ailleurs il y a ma caméra de face cam qui est juste là, donc j'ai déjà un micro, mais pour ma caméra de vlog je n'ai pas de micro et j'avoue que bah j'en aurais bien besoin quoi. J'en ai acheté, sauf que ça m'a ruiné. Ça coûte une blinde. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ça coûte vraiment une blindasse. Et voilà, j'essaye de m'adapter. Je comprends rien. Mais je suis pas censée voir le fil. Bon, update, 30 ans plus tard, j'ai pas de prise micro sur cet appareil. Je sais pas ce qui nous a pris avec Jérémy, sauf que là je suis dans la mouise. Demain je dois tourner une vidéo, si j'ai pas de micro, je pouvais pas la tourner celle-ci parce que c'est une vidéo cooking, enfin sans micro c'est juste pas possible quoi. J'ai envie de mourir, j'ai acheté ça, vous savez pas combien ça m'a coûté, ça m'a coûté plus de 200 €, c'est petit. Ce petit truc, 250 € je crois, je sais plus. Je suis ravie, 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 ravie. 13h30. J'ai faim, mais j'ai la flemme de manger, j'ai même pas de quoi manger chez moi, il faut vraiment que je fasse des courses. Je pense que je vais aller m'acheter un sandwich à la boulangerie. Vous savez ce que je vais faire aussi? Me tuer. Parce que j'ai pas de micro pour demain. J'ai faim, je vais aller manger. A few moments later. Bon, j'ai oublié de filmer quand j'y suis allée, j'ai pris une quiche lorraine avec un pain choco amande. Voilà. Très bon. Bon, il est l'heure de se ressaisir. Déjà, regardez mon placard. Non, mais il faut qu'on en parle. Ce placard. On va, non, on va pas en parler. C'est l'heure de ranger. Parce que là, c'est un vrai bordel. Ranger, nettoyer, aérer. C'est la mission du jour. Il est jamais venu, Marvin. Donc, on va éviter de lui faire mauvaise impression. Hein. On va tout ranger et tout nettoyer. Two hours later. Bon, ça y est, j'ai tout rangé, j'ai passé l'aspirateur partout, je suis trop contente, ça fait trop du bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des courses. J'ai hâte de sortir, je suis pas sortie depuis longtemps. Bon, du coup, j'ai complètement oublié de vous filmer les courses et la soirée, donc au final, c'est la dernière chose que j'ai pour le lundi. Mais en tout cas, j'ai passé une très bonne soirée. The next day. Bonjour. Marvin, il est resté jusqu'à minuit et quelques, je me suis couchée à 1h15. Précisément. Du coup, je vais me maquiller. C'était vraiment cool hier, mais là j'ai faim. Du coup, j'ai hâte de faire mes cookies pour pouvoir les manger. J'ai pris ma douche, etc. Je vais bien me préparer. Il faut aussi que je me boucle les cheveux pour ma vidéo. Et ensuite, tout est prêt pour partir. Et chez Jérémy, il faut que je fasse. Parce que du coup, je vais tourner chez Jérémy. Parce que moi, j'ai pas de four ici. Il faut que je fasse des tests micro avant tout là-bas. Parce que j'ai pas eu le temps d'en faire en fait. Je vous jure, ce guachat, je vous remets le lien en barre d'infos. Et la vidéo où je vous explique pourquoi je l'utilise. Ça réveille, mais tellement. J'ai trop envie d'un thé matcha là. Mais bon, j'ai la flemme de le faire. J'ai encore les traces de mon oreiller.
Bon, je me maquille vite fait, je me boucle les cheveux et je m'en vais. Bon, update, bon déjà j'ai pas la même tête que tout à l'heure, mais il s'est passé beaucoup de temps entre tout ça, vu qu'il est 11h30 passé. En fait, je suis venue ici donc pour tourner, je vois que donc je fais mes tests micro, etc. L'appareil pour enregistrer ne prend pas de carte SD au-dessus de 32 Go, et moi j'ai que des 64 et 128, donc je ne peux pas utiliser le micro, donc c'est vraiment trop bien, vraiment j'adore. Donc là Jérémy est à Paris, il va me ramener une carte SD, mais je vais devoir attendre encore longtemps. En fait le programme c'était vraiment je filme ce matin, je monte cet après. Là ça va être je filme en début d'après-midi et je monte cette nuit quoi. Donc voilà, maintenant je vais attendre Jérémy patiemment et puis je vais installer un setup, hein. On va essayer de faire ça comme ça. A few moments later. Ça y est, j'ai enfin tourné ma vidéo, je suis contente. Il est 14h30, il est un peu tard, du coup j'ai pas encore déjeuné, d'ailleurs faudrait peut-être que j'enlève mon micro. J'ai carrément mis un jogging sous ma robe parce que j'ai froid. Et que là bon bah plus personne à part vous allez voir, donc voilà. On a trouvé une solution, du coup Jérémy est venu pour me donner la carte SD. Donc ça a fonctionné, je l'espère d'ailleurs, mais normalement j'ai fait un test, ça fonctionne. Là du coup je vais me faire un petit truc à manger et je vais rester je pense une heure ou deux, faire un petit peu de montage ici. Je vais me faire des petites crêpes, des galettes avec juste du jambon, fromage et un œuf. Rien de bien sain et compliqué. Et du coup j'ai quand même des petits cookies, bon là il en reste deux mais sinon tout est là-bas. Donc si vous voulez voir la vidéo n'hésitez pas à aller faire un tour, on parle de sujets un petit peu tabous. Je vais manger ça vite, 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 parce qu'il faut que je monte. A few moments later. Bon, update, il est, quelle heure il est? 19h39. Honnêtement, j'ai pas terminé ma vidéo, j'ai pas terminé de la monter. Elle sort demain, donc j'ai intérêt à monter demain matin comme une reine, sinon c'est un peu la mouise. Et là, je suis mais tellement fatiguée, trop fatiguée. Et en fait j'ai trop mangé, je sais pas, ça m'a plombé l'estomac de manger cette crêpe. Donc du coup je suis dégoûtée de tout, mais en même temps j'ai faim. Enfin j'ai pas du tout faim, genre je sens que j'ai pas faim, mais j'ai envie de manger. Je vous jure c'est pas facile la vie. Donc du coup je regarde sur Uber Eats depuis tout à l'heure pour commander quelque chose, mais en même temps bah c'est toujours des grosses portions. Et là genre je sais que j'ai pas faim, donc ça me fait mal au ventre si je mange trop. Mais en même temps je sais pas. Enfin bref, je vais me débrouiller, je vais me faire un petit truc. Donc je pense que le mieux c'est qu'on se retrouve demain directement. Allez salut. The next day. Aujourd'hui on est mercredi, il est 9h56. Aujourd'hui c'est une journée montage, ma vidéo sera à 18h ce soir. Donc ce matin je vais finir le montage que j'ai commencé hier. Mon but c'est de le finir avant le déjeuner, en sachant que je n'ai plus rien dans mon frigo à manger et que j'aimerais vraiment manger plus sainement, parce que là ça commence à faire long cette histoire. Et cet après-midi j'hésite encore parce qu'il y a le vlog que je suis en train de filmer actuellement. Il faut que je monte également, mais j'arriverai pas à le monter en une journée vu que c'est un weekly vlog. Donc du coup j'aimerais le monter en deux fois, donc je me dis soit cet après-midi je fais un peu de montage, soit je fais autre chose, je ne sais pas. Du coup mes journées montage c'est les journées où je filme pas normalement, alors là je filme cette vidéo, mais c'est pas grave, vous voyez au naturel, moi ça me va très bien, c'est le but des vlogs, vous voyez comment ça se passe dans la vraie vie. Du coup moi quand je fais du montage et que je ne vais pas filmer une vidéo particulière, je ne me maquille pas, mon dieu, mais heureusement d'ailleurs, c'est pas mon délire. Franchement je me maquille uniquement dans la vie de tous les jours quand je fais une vidéo importante ou voilà, comme par exemple hier, ou alors quand j'ai un truc
truc particulier de prévu, donc une soirée normalement, bon là il n'y en a pas vraiment, ou je sais pas si on va à Paris avec Jérémy ou si on fait quelque chose de particulier. Oui, je vais me maquiller, mais même si on se voit juste comme ça avec Jérémy, je vais pas me maquiller pour aller chez lui. Je me maquille pas, mais je fais en sorte d'avoir un peu meilleure mine. La crème que je mets tous les matins, c'est la Hydra Essentielle SPF 15 de chez Clarins, que j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est là pour les peaux normales à sèche, avec mon gua sha pour faire circuler le sang. Vous le savez, j'ai fait une vidéo à ce sujet où je vous explique comment j'ai maigri du visage. Et du coup, là, ce que j'utilise en ce moment, que j'adore pour me donner bonne mine, je fais tomber le micro, il n'y a rien qui bat, c'est le LC Glow de chez Charlotte Tilbury. Mais mon dieu, c'est tellement bien. Ça, c'est juste une crème hydratante teintée, mais qui est incroyable. Moi, j'aime pas les bébés crèmes, enfin, pas que j'aime pas, mais juste j'en utilise pas. Et en fait, quand vous la sortez, je vais vous montrer, en fait, ça sort tout blanc, comme une crème normale. Faut vraiment pas mettre de beaucoup. Une fois, j'en ai mis beaucoup, j'étais orange, j'ai dû retirer. Et donc, quand vous le chauffez, vous allez voir que ça se transforme. C'est orange quoi. Et donc ça, je le mets sur mon visage, regardez, on le voit. Et vous en faites pas, ça se fond trop bien dans la peau. Et moi, ce qui me faisait peur avec ce produit, c'est que ça ne tienne pas, que ce soit juste un effet cool quoi. Mais vous inquiétez pas, ça va changer de couleur. J'avais peur que ça tienne pas, et en fait, après, ça, c'est comme si ça séchait un peu. Le soir, on a encore cet effet un peu bronzé. Je sais pas si on voit. Non, on dirait que c'est super foncé à la caméra. En vrai, c'est normal. Non, je trouve que ça a l'air plus foncé qu'en vrai à la caméra. Mais en vrai, c'est juste... Bon, j'ai bonne mine, quoi. Un peu de baume à lèvres la neige. Un peu de brume pour sentir bon, comme c'est le matin et que je suis un peu en pyjama. Parce que oui, je reste un peu en pyjama quand je fais mes montages, vu que je fais mes montages dans mon lit. Je mets la Cherry Blossom brume de chez Rituals. C'est frais, ça sent un peu la rose et ça fait du bien. Voilà, on va aller monter cette vidéo, en finir et on se retrouve tout à l'heure. A few moments later. Bon, il est 13h37. J'ai terminé mon montage. Je suis trop contente, j'en pouvais plus entre hier et aujourd'hui. J'ai très faim, je meurs de faim. Je meurs de faim, vraiment. Je vais aller me chercher un couscous. Et oui, c'est pas pour maintenant que je mange honnêtement. Je vais aller le chercher, je vais manger tranquillement. Après manger, il faut que je m'occupe absolument, absolument de mettre la vidéo en ligne, de faire la miniature, de faire la barre d'infos, etc, etc. C'est super important, voilà. Non mais là, c'est la tempête dehors. J'ai mon couscous. Je vais tout mettre dans une assiette. Bon appétit! Bon, 18h33. Figurez-vous que j'ai sorti ma vidéo un petit peu en retard parce que il y avait des petits soucis avec la miniature, mais tout va bien. La vidéo est sortie, je suis contente, ça a l'air de vous plaire. Et du coup, j'ai commencé à monter le vlog, donc je suis trop contente. Je ne sais toujours pas ce que je fais demain. Je suis en train de réfléchir à est-ce que je vais à Paris, est-ce que je vais pas à Paris. Le matin, ce qui est sûr, c'est que j'ai un rendez-vous téléphonique pour YouTube d'ailleurs, à 10h. D'ailleurs, j'ai acheté un nouveau truc, je vous ai même pas montré. Je vais vous montrer vite fait. J'ai acheté une robe Mage à moins 50, j'étais trop contente, c'est trop une bonne affaire. Et voilà, on voit rien, mais je la trouve trop belle. Ce soir, je vais me faire sûrement des petits soins et tout, je vais me laver les cheveux. Et vendredi, du coup, je pense que je vloggerai pas, vu que je vais faire du montage toute la journée. Je pense que je vais un peu me reposer, voilà, regarder des petites vidéos tranquilles dans mon lit, parce que je me suis pas du tout posée de la journée. Sûrement faire quelques petits abdos, parce que j'ai toujours pas commencé le challenge, alors j'ai fini l'intro, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, mes petits soins et au dodo. Bon, je sors de la douche, j'ai dîné, j'ai tout fait, je me suis lavé les cheveux, il est 22h. Mon but, c'est de m'avoir séché les cheveux, d'avoir tout, d'être dans mon lit à 23h. Parce qu'il faut absolument que je me couche avant minuit. C'est mon objectif, là, de cette semaine. C'est pour ça que je suis autant fatiguée, c'est parce que j'ai plus l'habitude de me réveiller si tôt. Même si c'est pas tôt, en fait, je suis juste décalée et du coup, je me couche tard. J'ai prévu de faire un truc cool. Ma tête là-dedans, je suis pas sûre que ce soit très... En gros, ça fait genre très longtemps que j'ai pas fait ça. C'est de se retirer les points noirs.
Et j'avoue que vraiment, je ne fais jamais ça. Avant, je le faisais parce que j'étais obsédée. Même si j'en ai pas énormément, ça me tracasse, ça me titille là. L'idéal, c'est d'avoir un peu dilaté ses pores en mettant de l'eau chaude ou de la vapeur. La vapeur, c'est mieux, mais c'est toujours plus chiant. Et du coup, la douche, ça fonctionne bien. Mais je suis sortie il y a quelques temps de la douche quand même. Donc, je vais me repasser un peu d'eau chaude. Mais j'ai un petit kit que j'ai acheté sur Amazon. Et ça fait au moins vraiment 5 ou 6 ans que je l'ai, je crois. Et j'aime trop. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il est génial. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé. Carrément, je savais même plus si je l'avais encore. Et je vais enlever ce truc sur ma tête. Du coup, moi, je me souviens que mon préféré, où est-il? Ah oui, les deux. C'est ceux-là. Mes deux préférés, c'est ces deux-là. Voilà, je vais bien les nettoyer, surtout laver tout, même l'endroit où vous le tenez, etc. Parce que on touche toujours notre peau. Ah oui, il faut savoir un truc, c'est que j'ai la peau qui marque énormément, donc je risque d'être extrêmement rouge. Let's go. Ah oui, je vous ai pas dit, du coup, dans ma douche, je me suis lavé le visage et j'ai fait un gommage très très léger du visage. Si jamais ça vous intéresse, il y a ma skincare routine qui est disponible sur YouTube. En gros, vous passez un peu partout. Bon, je vais faire ça tranquillement, puis on se rejoint après, je pense. Sinon, ça va être très gênant. A few moments later. J'ai la flemme de faire un masque, mais j'ai une tonne d'échantillons et je suis en train de me dire, oh! Mais je sais ce que je vais faire. J'ai un échantillon Dior masque pour les pores. Parce que moi j'ai une peau qui est déshydratée, donc j'avoue que j'achète jamais de masque pour les pores. Mais là, vu qu'on a fait ça, ça serait pas mal. Et je regarde quand même si j'ai pas un masque de nuit, c'est ça que je voulais dire. Parce que j'ai la flemme de faire un masque. Masque de nuit, ça s'applique comme une crème, donc c'est cool. Mais non, j'en ai pas. Oh, masque de nuit. Oh. Lotion clinique basique 3 temps, vous savez, ma favorite, je l'aime. On applique surtout, voilà. D'ailleurs j'aurais pas dû commencer par le nez parce que j'étale toutes mes bêtises partout sur mon visage. Je mets de la lotion exfoliante parce que vraiment j'ai fait un gommage tellement léger dans la douche que je peux faire les deux. C'est comme si j'avais quasiment rien fait. Je vais faire masque pour les pores, c'est le Dior Life. Du coup ça j'ai jamais testé, en revanche ils sentent tellement bon, j'ai l'impression qu'ils sentent tous la même chose. À peu près. Ouais, l'autre ils sont à peu près la même chose. Après, faut que je me sèche les cheveux, la flemme. Voilà. Vous savez ce que je vais faire pendant ce temps-là? Je sais ce que je vais faire. Je vais nettoyer mes pinceaux. Là, on est en mode jolie peau. Parce que j'ai mangé tellement des bêtises que ma peau, elle est en train de me dire Andy, détends-toi. Meilleur nettoyant pinceau, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous voulez un produit à moins de 10 euros, ça c'est le top. C'est les gels douche Dr. Bronner's. Ils sont parfaits pour vos pinceaux. D'ailleurs c'est même écrit derrière, le nettoyant favori des maquilleurs, donc je vous recommande à fond. Du coup je vais les nettoyer un petit peu. Bon, mes pinceaux sont propres, j'ai fait tous les pinceaux teints, très contente, ils sont vraiment tout beaux, genre le pinceau fond de teint il est magnifiquement propre. Du coup je vais chercher, en fait c'est chiant parce que j'ai pas d'enregistreur qui s'accroche, je dois le commander. Du coup j'ai un énorme truc pour me déplacer. Regardez là par exemple, vous m'entendez comme si j'étais juste à côté alors que je suis loin. Les micro-cravates, c'est ma nouvelle passion. Vous voulez rire, regardez mon énorme bol de sopalin. C'est Jérémy qui m'a acheté ça, je sais pas pourquoi. Je vais faire mon masking routine. Pinçons, moi, ça. Aucune différence. J'ai mon échantillon, c'est la gamme Hydra Beauty de chez Chanel, qui est juste une trop bonne gamme. Et j'ai deux échantillons, j'ai l'échantillon du micro sérum et l'échantillon du masque de nuit. Donc écoutez, je vais mettre les deux et je vais faire mon gua sha d'ailleurs, je l'ai pas fait. Mais mon sérum, il y en a plus, ça va pas m'aider les gars. Très bien, j'en mets 4 tonnes. C'est masque de nuit au camélia. Oh oh, j'aurais pas dû en mettre autant pour mon gua sha, ça va rien faire. Masque pour les lèvres, la neige, qui est incroyable. Et on est bon. Écoutez, je vais me sécher les cheveux tranquillement et ensuite je vais aller au lit. Quelle heure il est? Il est 39, 22h39, j'ai encore 20 minutes pour me sécher les cheveux. Ça devrait peut-être le faire, j'espère. En tout cas, nous, on se retrouve demain pour une petite journée parisienne. Oh. The next day. Ok. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi, j'ai passé ma matinée là, il est quelle heure? 11h30. Depuis ce matin je suis au téléphone avec pour des partenariats, voilà. Après il faut que je m'habille parce que du coup je suis toujours pas habillée. Après je vais aller à Paris, je sais toujours pas ce que je vais faire à Paris, mais je pense que déjà juste manger des petits trucs japonais ça va me faire du bien. Vous savez que je vais toujours au même endroit et sûrement aller un peu dans les magasins. Bon ça y est, j'ai terminé de me préparer et d'envoyer le petit mail etc. Donc je vais y aller, j'ai tellement faim. Quelle heure il est? Midi 10. Voilà, j'ai très faim. Let's go. Je vais vous filmer à l'iPhone parce que j'ai pas trop envie de prendre ma caméra à Paris. Let's go. Comme d'habitude à Opéra. Et voilà. Là, je vais tout le temps.
je vais prendre un béni pomme cannelle s'il vous plaît. J'ai pris un matcha, j'en avais trop envie, j'ai du sucre sur le nez. Et du coup là je vais aller faire un peu les magasins. Je pense que je vais aller soit chez Sephora, voir 2-3 trucs, et chez Zara, enfin les petits magasins qu'il y a ici. Vu que je passe jamais genre des journées toute seule dans Paris, ça me fait du bien de faire ma petite vie. Bon du coup ils n'avaient pas ce que je voulais, donc je vais aller à Haussmann pour récupérer. Et je voulais tester un autre truc qu'ils n'avaient pas non plus. Donc je vais tout vous montrer aussi. Si jamais j'achète des trucs, je vous montre quand je rentre ce soir. Et j'ai trop envie aussi d'aller chez H&M me racheter les bagues. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, avant je mettais tout le temps des bagues. Et que j'aimais trop. Et vous me demandiez tout le temps ce que c'était. Sauf que en fait, comme c'est des bagues H&M, bah, elles s'abîment vite. Mais elles coûtent tellement pas cher que ça fait trop bizarre. Parce que du coup là, les galeries Lafayette, c'est fermé. C'est horrible. Donc voilà, écoutez, allons-y. Bon du coup je suis dégoûtée, personne n'a ce que je veux. Ça me saoule. Donc je vais aller au Sephora des Champs-Élysées. Je vais d'abord aller vite fait chez H&M. Mais ça m'énerve de devoir faire 3 Sephora pour avoir une tente. C'est quand même dingue. Je vais aux Champs-Élysées à pied, comme ça me fait une petite balade. Et j'ai acheté du coup mes bagues. Je suis contente. Je sors de Sephora des Champs. Écoutez, j'ai eu affaire au pire service du monde, je pense. Comme quoi, vraiment, trouver un anti-cerne, c'est très dur. Donc là, j'ai pris autre chose, carrément. Et je vais tout vous montrer en rentrant. Du coup, là, bah, je rentre. Coucou, je suis rentrée. Du coup, je vous fais un petit haul. C'est un tout petit haul. J'ai pas acheté grand-chose, mais quand même. Donc déjà, chez H&M, j'ai acheté mes bagues. Pour celles qui veulent savoir, elles sont à 7,99€. Je prends toujours celles-ci. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, au niveau du make-up, j'ai acheté 2 produits. Donc j'ai fait 3 Sephora différents. Je vous avoue que ça m'a un peu saoulée. Heureusement que j'étais dans le mood de marcher, etc. En tout cas, sachez que j'ai pas eu un bon service du tout. C'est vraiment... Enfin, franchement, parfois, je me demande comment c'est possible. Honnêtement, hein, c'est pas pour critiquer, mais ce métier, je le fais. Donc je connais et je peux vous dire que là c'était honteux. En tout cas chez Nars. Pourtant les produits sont incroyables. Moi j'aime beaucoup cette marque, mais bon, si le service n'y est pas. Bref, je vais pas commenter, mais c'est honteux honnêtement. Donc chez Benefit j'ai acheté mon petit produit. Vous savez, franchement, s'il y a bien un truc dont je peux pas me passer, c'est ce produit. C'est le Belly Tint. Celui-ci il est à 19... Alors attendez, je vais vous donner le tarif. Celui-ci il est à 19,90€. C'est le Benetine du coup, et il existe en plus gros qui il est à 38€ je crois. Je suis une fan de ce produit. Pour celles qui n'ont jamais vu, en fait c'est un petit produit qui s'utilise, alors attendez je vous montre, c'est vraiment un pinceau, hop. Ah d'ailleurs c'est plus un pinceau, avant c'était un pinceau. Vous pouvez l'appliquer sur vos lèvres et sur vos joues, et honnêtement avant j'avais les lèvres bien plus rosées. Bah d'ailleurs je vais le mettre. Avant j'avais les lèvres bien plus rosées, on me demandait toujours quel était mon rouge à lèvres, mais c'est la couleur de mes lèvres maintenant. Je pense que comme je suis en manque de fer, elles sont un peu plus blanches. Mais du coup vous voyez, ça donne juste un peu de couleur, et vous pouvez aussi appliquer ça sur vos joues et c'est trop joli. Je suis vraiment une fan, genre je passe pas une journée sans ce produit. Je suis une grande fan, et puis là il est tout mignon, avant il était pas comme ça. Et ensuite j'ai acheté un nouveau produit, l'anti-cerne Power Fabric de chez Armani. À la base je voulais le Nars, sauf que bon bah vous avez compris. Donc j'ai pris le Armani, je sais pas du tout ce qu'il vaut honnêtement. Au niveau du prix d'ailleurs, il est à 41€, ce qui est pas donné pour un anti-cerne. Mais écoutez, on va voir, j'ai pris la teinte numéro 2 en sachant que je suis la teinte numéro 4, parce que vous savez que mon fond de teint c'est le Armani Lumino Silk. Je suis numéro 4 du coup, elle m'a conseillé celui-ci et j'ai vérifié, c'est pas mal. J'ai trop hâte de le tester. Je pense que là dès que je vais me maquiller, je vais le tester, parce que le Shape Tape je l'aime beaucoup, mais j'avais juste envie de changer en fait. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour le vlog, car ce soir je vais rien faire de spécial. Je vais aller faire une machine chez Jérémy et puis je vais me faire un petit truc à manger, et demain je vais monter toute la journée, donc j'ai pas besoin de vous filmer ça, vous savez comment ça se passe. Si jamais vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets des petites stories tous les jours et je réponds à vos messages. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, je fais 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche, des vidéos lifestyle, vlog, sport, nourriture, maquillage, skincare, je fais plein de choses. Et n'hésitez pas à activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et sur Instagram, si vous voyez cette vidéo le jour où elle sort, vous avez un concours qui se termine ce soir, ce dimanche, un concours pour gagner un porte-carte Yves Saint Laurent. Donc n'hésitez pas à aller participer avant la fin du concours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.